Vous allez voir sourire beaucoup d'autrui, même si c'est un jour de pluie. Et ceux qui ne sourient jamais, les méchants, ils vont se calmer. Un merci, un s'il vous plaît, un pardon, un excusez-moi, c'est mieux qu'un gilet pare-balles. La violence commence toujours par un « tu pourrais pas être poli ». Puis les mots deviennent gros, on sort un couteau et on se retrouve à l'hosto. Alors, parce que je vous aime bien, mon petit con, je vais vous apprendre la politesse. Saluez autrui. Bonjour. Avant, dans les villages, on disait bonjour à tout le monde. Maintenant, il y a trop de monde sur la terre. On n'a plus le temps. Les gens adorent qu'on leur dise bonjour. Et comme ça ne coûte pas un rond, ben, n'hésitez pas. Comment dire bonjour? C'est simple comme bonjour. Entre jeunes, salut. À une dame, bonjour madame. À un monsieur, bonjour monsieur. À un Lorrain, comment que c'est gros? Dans les relations commerciales, n'hésitez pas à montrer à la personne que vous rappelez son nom. Dites bonjour monsieur Dupont. Mais seulement à monsieur Dupont. À une vieille fille, bonjour madame. Et non, bonjour mademoiselle, laissez croire qu'elle aurait pu se marier. À une célibataire encore un peu fraîche, bonjour. Le madame de la maison. À un roi, bonjour sire. Attention, au roi des cons, on n'est pas obligé de dire bonjour. On n'est pas obligé de dire bonjour. À un ami pendant qu'il embrasse une fille, si c'est votre petit ami remplacé par le poing dans la gueule. À un ami qui rentre dans un sex shop. À un ami en train de braquer une banque. À une personne en train de se suicider. On doit d'abord l'en empêcher. Au revoir. On dit au revoir seulement à ceux que l'on souhaite revoir. Au garagiste qui vous a vendu une meuble pourrie, dites adieu. On ne dit jamais au plaisir. On dit au revoir et à bientôt. Attention! On ne dit jamais au revoir à un huissier. Bonne chance. On peut remplacer le au revoir par bonne chance. Quand on quitte une personne qu'on n'est pas sûr de revoir. À un astronaute qui part sur la Lune ou à un condamné à mort. Pour les gens superstitieux et les amis très intimes, on peut remplacer le bonne chance par merde. Attention. Ne jamais souhaiter bonne chance aux chasseurs. Mais dire merde à la bitch. Merci. C'est un des premiers mots qu'on apprend quand on est petit. On doit toujours dire merci. Merci à la dame, merci au monsieur, merci à tout le monde. Et puis un jour, on en a marre de remercier la terre entière. Alors on dit merde. Merde au monsieur, merde à la dame, merde à la terre entière. Ça s'appelle l'adolescence. On sait de moins en moins dire merci. Parce qu'on est toujours pressé et qu'on n'a plus le temps. Il faut une demi-seconde pour dire merci, le même temps que pour dire merde. Dire merci, c'est signifier à la personne qui a fait quelque chose pour vous, que vous l'avez remarqué et que vous êtes sensible à son geste. Ne vous croyez pas obligé, comme Jésus, de dire merci à celui qui vous a donné une gifle, à moins que, comme lui, dans l'homme d'autre. Je vous en prie. On dit « je vous en prie » à la personne qui vous a remercié. Façon de dire, il n'y a pas de quoi, c'est la moindre des choses. On doit dire même si ce n'est pas la moindre des choses. Quand on a plongé dans la mer depuis les falaises d'Étretat au mois de décembre, pour repêcher un désespéré, qu'on a perdu une Timberland, sa montre, qu'on a attrapé une bronchopneumonie, on ne doit pas répondre de rien au merci de celui qu'on a sauvé. Mais surtout pas à votre service. Ni à la prochaine. Ça peut donner au désespéré l'envie de recommencer. À quelqu'un qui vous dit merci, il faut répondre « je vous en prie ». Pardon. Comme la sardine, le pardon est une spécialité bretonne. On demande pardon à une personne à qui on a fait du tort, physiquement ou moralement. On demande pardon quand on passe devant quelqu'un et qu'on lui cache le soleil pendant un moment. Quand on marche sur les pieds de quelqu'un. Quand on bouscule quelqu'un. Quand on tue quelqu'un par erreur. Attention! Le soldat qui tue un ennemi n'est pas obligé de demander pardon à sa famille. En revanche, s'il l'a loupé, il doit demander pardon au général.
veuillez m'excuser. On présente cette excuse à tous ceux à qui on a causé des désagréments. On dit « excusez-moi ». Plus chic, veuillez m'excuser. Encore plus chic, je vous prie de bien vouloir m'excuser. On, par contre, on ne dit jamais « je m'excuse ». « Je m'excuse » est autoritaire. Vous n'avez rien à imposer à celui qui vous a fait du tort. Vous devez simplement lui proposer vos excuses, et c'est à lui de les accepter ou les refuser. À un piéton que l'on a fauché avec son automobile, on dira « je vous prie de bien vouloir m'excuser de vous avoir écrasé ». Et jamais « je m'excuse de vous avoir écrasé ». Si le piéton n'est pas mort, il doit vous répondre « mais je vous en prie ». Le respect. Respecter autrui. Respecter autrui, c'est respecter sa différence, ses idées, admettre qu'on n'est pas tous semblables, qu'on ne pense pas tous la même chose, et que c'est tant mieux. Imaginez une terre peuplée d'individus tous pareils. Ce serait aussi ennuyeux qu'un congrès de Claude. Doit-on respecter tout le monde ? Oui. On doit le respect à tout être humain. Enfin, en principe. Parce qu'il y en a certains avec qui il faut se forcer, hein. Ceux qui abandonnent leur chien avant de partir en vacances. Ceux qui klaxonnent l'automobiliste qui cherche sa route. Ceux qui bricolent leur pot d'échappement de leur mort pour faire plus de bruit. Ceux qui ne respectent rien. Le respect du pauvre. Le pauvre a sa dignité. Il cache sa pauvreté, vous devez faire semblant de ne pas la voir. Mais ne faites pas semblant de ne pas voir le pauvre quand il vous tend la main. Comment prouver à un pauvre que vous ne le prenez pas pour un pauvre ? Bah, demandez 800 balles. Attention ! Ne pas dire « pauvre con à un con », même si le con est pauvre. Le respect du riche. Le riche n'a pas une vie drôle. Il n'a plus dans sa tête la place pour des pensées rigolotes. Il ne sait plus rien faire pour le plaisir. Il ne sait plus perdre son temps. Parce que le temps, c'est l'argent. Peut-être croit-il que s'il est riche, il ne mourra jamais. Pauvre riche. Le respect dû aux vieux. À chaque époque, on nous prend la tête en affirmant que les jeunes sont de plus en plus mal élevés. C'est toujours des vieux qui le disent, hein. Les jeunes ne cèdent pas leur place assise. Les vieux non plus. Patience. Les vieux vont bientôt se tirer. Vous allez enfin pouvoir vous asseoir, les jeunes. Ne frappez pas les vieux, ils sont fragiles, ils cassent comme du verre. Soyez gentils avec eux avant leur départ, qu'ils gardent un bon souvenir de la terre. Ça les aidera à prendre leur éternité en patience. Chaque fois que vous voyez un vieux, imaginez le gamin ou la gamine qu'il était il y a bien longtemps. Attention, ne pas oublier qu'entre un vieux et un jeune, il n'y a qu'une différence d'âge. Le respect dû aux morts. Comme le mort n'est plus là pour se défendre, on doit le laisser se reposer en paix. Même s'il nous a fait du tort, on ne doit jamais faire un pied de nez à un mort. Les derniers soins de beauté. Le mort doit être présentable parce qu'il va être présenté à Dieu. Fermez-lui les yeux, il en a assez. Profitez de ce qu'il est encore mou pour l'habiller. Si le défunt est roi, coréador, clown ou académicien, on lui mettra un uniforme d'apparat et son nez rouge. Si le mort est catholique, mettez-lui un chapelet entre les doigts. S'il est garagiste, une clermolette. Remarque, si le mort est un épicier, on peut lui laisser le crayon derrière l'oreille. Ça fait plus vivant. Que dit-on devant un mort ? On dirait qu'il dort. Ah, il est plus grand mort que vivant. Ah ben c'est bien lui, hein. Ben c'est la moindre des choses. Si ce n'était pas lui, on serait pas là. Attention ! Ne pas oublier qu'entre un mort et un vivant, il n'y a qu'une différence de 37 degrés. Le respect dû à la nature. On doit laisser la terre aussi propre qu'on l'a trouvée en arrivant. Il faut penser à ceux qui viendront derrière. Le monde va continuer. Après nous, ce n'est pas le déluge. Dire bonjour au soleil quand il se lève. Ne pas cracher par terre. Saluer les arbres qu'on croise. Ne pas shooter dans les champignons. Ne pas cueillir des fleurs avec leurs racines, elles ne repousseraient plus. Ne pas jeter des bouteilles en plastique dans la campagne. Ne pas verser son huile de vidange dans la rivière.
les poissons ne la digèrent pas. Ne pas jeter son mégot en forêt si on veut la retrouver l'année prochaine. Ne pas traverser les bois à moto ni avec la musique à tutelle. Pensez aux oiseaux qui font la sieste. Ne pas faire pipi dans la mer par respect pour les crevettes. Applaudir un ciel étoilé. Attention! Toujours dire bonsoir au soleil quand il se couche et ne jamais oublier de lui dire à demain. Quand on a abîmé la nature, il faut lui présenter ses excuses. Si l'armateur de la Cocadise, responsable de la plus célèbre marée noire qui a sali la mer et les côtes bretonnes, avait été poli, il aurait demandé pardon aux mouettes. Et celle-ci aurait été dispensée de répondre « Je vous en prie ». Les promoteurs qui tous les jours font des trous avec leur bulldozer devraient présenter leurs excuses à la terre et lui apporter des fleurs. Imaginez qu'un jour, la terre ait envie de se venger. Qu'elle dise aux hommes « Je vous nourris depuis des siècles, et bien maintenant, quand je vois les dégâts que vous me faites, j'en ai marre, j'arrête. » Attention! Si un jour, la terre refuse de faire du blé et des pommes de terre, avec quoi on va manger nos moules? Le respect de soi-même, les bruits incongrus. Le corps humain est une grande usine avec des machines qui tournent jour et nuit. Des tuyaux où s'échappent des bruits et de la fumée. Le savoir-vivre consiste à limiter au maximum les nuisances de notre usine. Oh. Le bâillement indique que vous êtes fatigué ou que vous vous ennuyez. Il doit être le plus discret possible pour ne pas blesser votre entourage. Ne bâillez pas ouvertement, excusez-vous en expliquant que vous êtes fatigué, mais surtout ne laissez pas imaginer que vous vous ennuyez en votre compagnie. Attention! Ne jamais oublier de mettre la main devant sa bouche quand on baille. Il est important de montrer ses amygdales à tout le monde. Le hoquet. Si vous avez le hoquet, buvez lentement un verre d'eau sans respirer. Attention! Ne pas rire si quelqu'un a le hoquet. C'est peut-être le hoquet de la mort. D'ailleurs, le pape Pie XII est mort après un hoquet de plusieurs jours. Pendant ce temps, au Vatican, ils n'étaient pas les marioles. L'euro. La jeune maman est émue par le mot de son bébé. Elle est beaucoup moins émue quand le bébé a 15 ans et qu'il continue à voter. Chez les Arabes, c'est une marque de politesse. L'euro signifie qu'on a bien mangé. Dans le Sahel, l'Arabe a de moins en moins l'occasion de voter. Le rhume. Se moucher discrètement, ne pas déplier son mouchoir en entier, seulement à moitié. Attention! Après s'être mouché, ne pas regarder dans le mouchoir, et encore moins le montrer aux autres. C'est rare qu'il ait une perle. Achou! Lorsque vous éternuez, vous envoyez vos microbes à la vitesse de 100 km/h dans un rayon de 5 mètres. Alors, reculez-vous de 5 mètres ou retournez-vous avant d'éternuer. À l'origine, à vos souhaits se disait lors des épidémies de peste. À la personne qui venait d'éternuer. C'était le premier signe de la peste pulmonaire. On savait qu'elle allait mourir. Vous vouliez lui souhaiter un bon voyage vers au-delà. Attention! Un noir ne doit jamais dire à vos souhaits à un raciste, même s'il vient d'éternuer. Souvent imprévisible, il peut être aigu ou grave. On n'a aucune maîtrise de sa tonalité. Sa forme la plus sournoise est silencieuse mais accompagnée d'une odeur nauséabonde. Entre amis intimes et jeunes, il fait rire. Mais avec des personnes qui ne se connaissent pas, il choque. Comme il est anonyme, il crée dans l'assemblée une ambiance lourde de soupçons. Au Moyen-Âge, on avait coutume de laisser sous la table un chien qu'on rendait responsable des paix et mis dans la soirée. Profiter des endroits vastes et aérés pour péter, la maison du temps libre. Attention!
attention. Ne jamais dire « à vos souhaits » quand quelqu'un a pété. En disant « merci », le péteur perdrait son anonymat et la maîtresse de maison, pour le mettre à l'aise, serait obligée à son tour de péter. Comment séduire autrui? Soyez naturel. Ne croyez pas que pour plaire, il faut jouer un personnage. Le personnage que vous jouez n'est pas forcément plus séduisant que vous. En plus, il est bidon et ne dure pas. Faites-vous apprécier pour ce que vous êtes. Si autrui est au féminin, la faire rire, savoir écouter, un garçon peut toujours tenter sa chance avec une fille, mais il ne doit pas insister ni devenir agressif, ça ne marche pas. Il faut savoir être beau perdant. La fille vous en sera reconnaissante en plus. Hein. Et on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'une autre fois. Ah, il est très lâche d'utiliser la force pour arriver à ses fins, messieurs. Attention! Il est très mal d'utiliser sa force et très mal de violer une fille. Doit-on toujours dire la vérité? Si elle vous demande, tu me trouves belle? Si elle est belle, répondez. Non. Elle ne croira pas. Si elle est moche, répondez. Oui. Elle entend ça au moins une fois dans sa vie. À la maison. La maison n'est pas un hôtel. La maison n'est pas un restaurant, donc la maison n'est pas un hôtel-restaurant. Au chiottes, ne pas ouvrir sa baguette avant d'entrer. Fermez la porte à clé. Relevez la guinette avant de faire pipi, les garçons. Ne pas y passer des heures. Tirez la chasse, vérifiez le résultat. Utilisez le balai si nécessaire. Toujours remettre sa culotte avant de sortir des chiottes. Si vous ne partez pas en vacances, mettez un déodorant bleu dans la chasse d'eau. Vous aurez l'impression de faire pipi dans le Pacifique. La chambre des parents. Ne pas y installer ses copains. Ne pas fouiller ni piquer dans les tiroirs. Ne pas dormir dans leur lit. Attention! Ne pas entrer sans frapper. Ils sont peut-être en train de se reproduire et vous risquez de vous priver d'un petit frère ou d'une petite sœur. La télévision. Avant, nos ancêtres cuvaient leur vin en regardant les brèves. Maintenant, ils cuvent en regardant la télévision. La télévision a plusieurs avantages sur la cheminée. Elle ne fume pas, elle ne fait pas de cendres, mais elle ne fait pas d'étincelles non plus. Ne pas l'allumer sans consulter les autres. Ne pas zapper sans arrêt. Ne pas regarder que les jeux télévisés. Ne pas regarder la télévision quand il fait beau. Ne pas croire tout ce qu'on raconte à la télé. Éteindre la télé. Quand on reçoit une visite. Quand on passe à table. Quand il y a la pub. Quand quelqu'un téléphone. Et quand il n'y a rien de. Supprimer la couleur quand il y a un décès dans la famille. Attention! Ne pas regarder la télé toute la journée. Et ça peut rendre con. À table avec autrui. Vous êtes invité à déjeuner ou à dîner. Et vous souhaitez être réinvité. Donc de ne pas s'asseoir avant la maîtresse de maison. Ne pas s'asseoir sur la maîtresse de maison. Ne pas commencer à manger avant la maîtresse de maison. Savoir dire que c'est bon quand c'est bon. Ne pas fumer avant le fromage. Demandez l'autorisation à la maîtresse de maison. Ne pas passer le bras devant son voisin pour attraper le sel. Lui demander de vous passer. Se servir. On ne se sert pas en premier. On ne se sert pas avec ses couverts. On ne demande pas. C'est quoi? Si on n'aime pas, on ne réclame pas autre chose. On ne goûte pas dans le plat. On ne renifle pas dans le plat. On ne choisit pas dans le plat. Si on aime, on ne remplit pas son assiette. On ne prend pas plusieurs tranches d'un coup. On ne demande jamais à être resservi. On ne se sert pas sans y avoir été invité. Et on veille à ce qu'il en reste pour les autres. Boire. S'essuyer la bouche avant et après. Ne pas vider son verre d'un trait. Après, ne pas faire... Ne pas mettre d'eau dans son vin. Attention. Quand on est invité,
On ne plie jamais sa serviette après le repas. Comment demander le sel à autrui? Passe-moi le sel ne s'utilise qu'en famille ou avec des intimes. Pour demander le sel à un haut personnage, vous avez plusieurs possibilités. À un académicien, auriez-vous l'obligeance de passer le sel, s'il vous plaît, maître? À une religieuse, auriez-vous l'obligeance de me passer le sel, s'il vous plaît, ma sœur? À votre sœur, passe-moi le sel, Simone. Un sou, attrapez la salière par vos propres moyens. En Lorraine, passe-moi le sel, gros. Attention! Ne pas demander le sel à un aveugle. Il risque de vous passer poivre. Comment manger des œufs de poule? Simplement, inutile de faire la bouche en cul de poule. Comment manger des œufs d'autruche? Comme les œufs de poule, mais avec des mouillettes plus grandes. Vous invitez à déjeuner ou à dîner? N'hésitez pas à inviter autrui à bouffer. Simplement, sans faire de manière. Surtout si autrui vous a déjà invité. Même chez lui, et même si son chez lui est somptueux, et que le vôtre est plus modeste, autrui y sera très sensible. Attention! Alors, pas de porc à musulman, pas de cheval à la jockey, et pas de chèvre à monsieur Seguin. Quand vous avez un dictateur à dîner, un plat unique, une omelette aux amanites phalloïdes, n'aura plus faim après. Hein. Prévenez les autres invités qu'ils ne mangent pas. Hein. Vous ferez un repas après pour fêter la mort du dictateur. Cas particulier, vous invitez à dîner un Serbe, un Bosniaque, un Croate, un Hutu et un Tutsi. Attribuez une place à chacun, ne les laissez pas s'installer suivant affinité, sinon ils vont s'entre-dévorer et ça va faire des tâches sur la nappe. Attention! Évitez de mettre côte à côte un Hutu et un Tutsi. Alternez avec des casques bleus. Communiquez avec autrui. La conversation. Quand un ange passe, ne lui faites pas de croche-pied. Laissez-le passer. C'est bon aussi le silence. Quelle est la différence entre la vulgarité et la grossièreté? La différence entre mince et merde. Mince, mot utilisé par les trouillards qui n'osent pas dire merde. Merde. Mais on a le droit de dire merde, mais pas souvent. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui manquent dans la vie. Oh merde, une tâche! Merde, du poisson! Merde, le prof! Oh merde, ma robe! Merde, 20 ans! Merde, mon rêve! Merde, mon bac! Et merde, des triplés! Oh. Merde, 30 ans! Oh merde, mon premier cheveu blanc! Merde, 40 ans! Merde, une feuille! Merde, l'automne! Merde, la pluie! Merde, 50 ans! Mon dernier cheveu noir! Merde, la neige! Merde, l'hiver! Merde, 80 ans! Merde, docteur! Merde, un prêtre! Merde, la fin! Déjà! Le téléphone portable. Avant, le portable était chic, parce qu'il était rare. Bientôt, ce sera très chic de ne pas en avoir. Bloquez-vous pour téléphoner avec. Le fax. Ne jamais faxer une tranche de jambon aux enfants du tiers-monde. Surtout s'ils sont musulmans. Écrire à autrui. Différents types de lettres. La lettre d'amour. Alors, on peut commencer une lettre d'amour par des noms d'animaux précédés du possessif mon ou ma. Mon loup, ma biche, mon lion, ma colombe. Mais jamais mon crapaud, mon veau, ma truie, ma lièvre, ces animaux-là, gardez-les en réserve pour la lettre de rupture. Les lettres d'amour sont précieuses. On les entoure d'un ruban, on les garde précieusement. On peut les relire le jour où le salaud ou la salope qui les a écrites se tire avec autrui. Attention! Dans les lettres d'amour, évitez les toujours, les jamais. Parce qu'on ne sait jamais. La lettre de condoléance. On envoie une lettre de condoléance seulement quand il y a un décès. Elle doit témoigner que l'on s'associe à la peine de la famille et elle doit rendre hommage à la personne disparue. Évitez toutefois les « ce sont les meilleurs qui partent les premiers » et c'est pas très sympa pour ceux qui restent. La lettre de condoléance ne s'écrit jamais sur du papier à fleurs.
pour rester dans l'ambiance papier blanc en fond noir. Lettre 1, lapin. Mon lapin. Et non, mon cher lapin, trop cérémonieux. Je viens d'apprendre par le journal officiel que cette année, l'ouverture de la chasse aurait lieu avec 15 jours d'avance. Je préfère te prévenir pour que tu puisses prendre des dispositions. Affectueusement à toi. Attention! Ne jamais écrire mon lapin à une personne qui a un bec de lièvre. Rendre visite à autrui. Les visites. On ne dit pas qu'on va au coiffeur et chez le coiffeur. On ne dit pas qu'on va au docteur et chez le docteur. La vache ne dit pas qu'elle va au docteur et chez le vétérinaire. Mais quand on part à la guerre, on peut dire qu'on va au casque. La visite au médecin. Avant d'aller chez le médecin, mettre des sous-vêtements propres. Ne pas mettre de chaussettes trouées. Prévoir des vêtements faciles à retirer. Pas de jeans serrés ni d'armure. Se laver les deux pieds même si un seul est malade. Dans la salle d'attente, dire bonjour en entrant. Et ne pas demander aux autres ce qui les amène. Ne pas piquer les magazines. Dans le cabinet du médecin, ne pas juste dire bonjour. Oui, le médecin a fait de longues études, il a réussi son examen, il est fier. Qu'on l'appelle docteur, alors on dit bonjour docteur. Se foutre à poil sans faire d'histoire. Dire infarctus et pas infractus. Ne pas engueuler le médecin s'il vous fait mal. Ne pas se déshabiller chez le psychologue. Refuser l'autopsie, ça laisse des cicatrices. Attention! Continuez à parler au psychanalyste, même s'il ne vous répond pas. La visite à la maternité. La naissance d'un enfant est un événement dans la famille et une grande joie. Surtout si l'enfant est normal. Il faut vous associer à ce bonheur par des attentions délicates lors de votre visite à la maternité. Regardez l'enfant avec intérêt, même s'il n'a pas d'intérêt. Comptez ses doigts. S'il en a 10, vous dites le compte est bon. Alors que si le bébé a des têtes, pas compter les têtes. Ne pas raconter l'histoire du bébé né avec 12 pieds que sa mère a appelé Alexandra. Ne pas dire ta gueule au bébé qui pleure. Ne pas faire tomber le bébé pour voir s'il rebondit. Ne pas dire meurk si le bébé est moche. Attention! Ne pas dire oh mon Dieu si le bébé est noir et les parents blancs. Sortir avec autrui, au théâtre. On applaudit à la fin de la pièce seulement si c'était bien et pas parce qu'on est content que ce soit fini. Attention, ne jamais lancer des tomates vertes, les comédiens sont superstitieux. Choisissez toujours des tomates bien mûres. Les transports en commun. Les transports en commun ont en commun de transporter le commun des mortels. On y respire la sueur de l'ouvrier, l'aftershave de l'employé, le remugle du clochard. À éviter donc si vous ne pouvez pas sentir vos semblables. Le métro. Pour voyager en métro, le plus simple, c'est d'acheter un ticket. Il n'est pas forcément très glorieux de voyager sans titre de transport. À moins que vous soyez complètement fauché. Bon, c'est toujours un peu minable de carotter quand c'est facile. Quand on est un vrai dur, on aime la difficulté. On va piquer la joconde au jour. Ne pas mettre ses chaussures sur les banquettes. Ces banquettes ne sont pas toujours propres en plus, hein. Toutes sortes de gentils à soi. En avion, ne pas prendre les hôtesses pour des bonnes à tout faire, ne pas les siffler. Attention! Ne pas engueuler le pilote quand il y a des trous d'air. Et ce n'est pas lui qui les a fait. En fusée spatiale, n'emportez pas trop de bagages. La tenue de soirée n'est pas obligatoire sur la Lune. Ne pas ouvrir un parapluie à l'intérieur, ça porte malheur. Ne pas mobiliser le hublot pour voir la Terre qui s'éloigne. Ne pas demander sans arrêt au pilote à quelle heure on arrive. Ne pas faire remarquer aux autres passagers qu'on est 13 dans la fusée. Attention! Ne pas profiter de la pesanteur pour s'envoyer en l'air. Et pour finir avec le savoir-vivre, le savoir mourir. Et pas parce que vous allez mourir qu'il faut oublier le savoir-vivre. Laissez un bon souvenir en partant. Le suicide, c'est la plus grosse faute de savoir-vivre. Pensez qu'on ne se suicide qu'une fois.
Il n'y a pas d'urgence. Et si tout le monde se suicide, en plus, qui va donner à manger aux chats et qui va arroser les plantes? Les dernières paroles. Vous allez la fermer pour de bon. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le vite, après il sera trop tard. Si vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Les dernières paroles doivent être courtes, sympas et drôles. Essayez de faire rire ceux qui vous entourent avec leur gueule entièrement. Si vous n'êtes pas en état de faire une phrase, dites seulement un mot. Le mot de la fin, déjà. Adieu. Salut. Merde ! Ça porte bonheur. À éviter. Mince, trop vulgaire. Nom de Dieu, ça porte malheur. Ouf, pas très gentil pour l'entourage. À bientôt. Oui, ça peut porter la poisse à l'entourage. Le dernier soupir. Mettre la main devant la bouche pour le dernier soupir. Bon apéro et bonne soirée à vous, amis écourtois et écourtoises. Pringon. Et nous vous laissons en musique et en chanson avec Manon. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes de chenus, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre nous, plus de controverses. Qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con, la dernière averse. Vieux con, des neiges d'antan. Petit con, la dernière averse. Vieux con, des neiges d'antan. Vous les cons laissant, les cons innocents, les jeunes cons qui ne niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons qui confessez-le, prenez les petits vieux pour des cons. Moi qui navigue entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à faire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre nous, plus de controverses. Qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con, la dernière averse. Vieux con, des neiges d'antan. Petit con, la dernière averse. Vieux con, des neiges d'antan. Vieux con, des neiges d'antan. Nous sommes la compagnie Incognito.